plastic. On met pas le verre en plastique, non? Alors, mes amis, beste wijnvrienden. Si. Beste wijnvrienden. Leuk dat u erbij bent. Ik zit hier samen met Eric Dumont en Luc. Juist. En Eric Dumont is de propriétaire, eigenaar, dus de Sacre Domaine en Provence. Angeroen, Montreux. Château Angeroen. En Luc. En Luc is ook een professionnel duvin. Il est côtier, een handelaar in het groot. International. Miljoen hectoliter. Maar je bien avec. Attends, tu poses un peu. Vas-y, passe, man. Voilà. En de question. La question, c'est quel est le secret? Quel est le secret du vin de Langeron? Voilà. Et du vin de Provence. Wat al mijn mensen altijd willen weten in Nederland. Qu'est-ce qui demande toujours en Holland sur le rosé de Provence. Provence. Pourquoi le rosé de Provence est assez pâle? Exceptionnel. Et exceptionnel. Le côté exceptionnel du rosé de Provence, c'est pas compliqué. Ça vient si on fait une minute de silence, on va entendre le bruit et c'est les cigales qui font mûrir le raisin. Ah. En Provence, mais il faut écouter. Dus, even luisteren. Het geheim van de bleke rosé is volgens Luc het geluid van de krekels in de Provence. Even stil. Dat is het geheim, voilà. Le secret de, ça, c'est le de Provence. Comment est-ce qu'il mûrit? C'est parce que les ailes. Les ailes. Les ailes, elles rafraîchissent le raisin. Ok. Voilà. Dus. Volgens de heren is het een verhaal over dat de vleugeltjes van de krekels zoveel lucht verplaatsen dat de druiven koel aan de stok blijven. En waardoor je zo'n hele mooie frisse bleke rosé krijgt. C'est une question de les ailes. C'est souvent la question qu'on pose et c'est la réponse qu'on donne. Plus. Parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Il y a le soleil. La mer, il y a le vent de la mer ici, yep. Parce qu'on a le vent de la mer, les entrées maritimes qui rentrent même jusqu'à l'intérieur, ici on est en bord de mer. C'est le courant de Gênes. Et ça fait toute la Provence. C'est le courant de Gênes. C'est le courant de Gênes, de Genova, et ça apporte toute cette fraîcheur, une maturité plus douce qu'ailleurs, okay. qui est pas trop raide, pas trop rapide. À l'intérieur ils ont des nuits fraîches et des journées chaudes, ici on est plus tempéré, c'est plus doux, il y a du vent, de la brise marine. Et c'est le secret, Het gaat snel, beste wijnvrienden. Maar wat hij vertelt is eigenlijk dat het microklimaat van de Provence met de wind uit Italië en de zee altijd voor een fraîcheur zorgt hier in de wijngaard, waardoor de druiven heel mooi zacht rijp worden. Met een mooie dunne schil. La barrière des Alpes. La montagne coupe. Toute la Provence. De bergen, de Alpen en het massief wat hier voor zit houdt mooi die mooie lucht vast en de zeewind met de fraîcheur van zee zorgt ervoor dat die druiven een andere rijpingsgesteldheid hebben. Hoe? Dan de andere rosés. Après la cigale. La cigale. Tu me sais un petit peu? La cigale, elle est comme nous les provinciaux. Elle passe son temps à battre des ailes, à faire des gâtés, des câlins, et après elle meurt. Et la cigale, elle fait l'amour tant qu'il fait beau, dès qu'il pleut, elle meurt. On ne fait pas l'amour avec le vin, on fait l'amour avec les femmes, mais quand même, ça nous aide, hein. C'est important. À nos amours. En ik zit weer in plastic te drinken. Beste wijnvrienden, met vrolijke kruiden, Château Langeron. Universel. Ça suffit, c'est bon. C'est bon. C'est mon premier important. C'est international. C'est vrai. Toi, l'amour et le vin. Avec qui j'ai travaillé à l'étranger, Yann, on a une longue histoire quand même. Je pense que ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 10 ans, je pense. Pas loin de 10 ans. Presque avec, quand j'étais dans 2005, Wembley. C'est ça. Heel leuk, ik hoor eigenlijk nu pas voor het eerst van Eric dat ik zijn allereerste grensoverschrijdende handelaar ben geweest. Hij doet nu zaken in Duitsland, in Engeland en overal. Maar erg trots op dat ik in 2005 hier ben begonnen en ik ben dus zijn eerste importeur geweest. Nou jongens, daar proosten we op. Waar proosten we niet op vandaag? Voor Michel. Voor Michel. Voor Michel. Voor Michel. Tien. Voor Michel. À la carte.